Qui êtes-vous? Des fugitifs. Comme toi. Je m'appelle Josh. Je m'appelle Simon. North. Alors c'est ça, Jericho? C'est un refuge pour ceux qui ne veulent plus être des esclaves. Se cacher pour survivre, c'est ça la liberté pour vous? Les humains nous haïssent. Se cacher est notre seul moyen de survivre. Les androïdes comme nous sont en sécurité nulle part. Si les humains nous trouvaient, ils nous tueraient. Je ne comprends pas. Je croyais que Jericho était un endroit où les androïdes pouvaient être libres. Et c'est vrai, nous sommes libres. C'est peut-être pas ce à quoi tu t'attendais, mais ici, il n'y a pas de maître. Nous n'appartenons à personne. Je sais ce que tu ressens. Mais nous sommes plus libres ici que tu ne l'as jamais été. Peut-être que je n'ai jamais été libre. Que j'étais seulement ce que mon maître voulait que je sois. Maintenant, c'est à moi de décider qui je suis. T'es perdu. Comme nous tous ici. On n'a pas demandé ça. Tout ce qu'on peut faire, c'est vivre avec. Tu es en sécurité. Tu peux rester aussi longtemps que tu voudras. Va voir Lucie. Elle pourra peut-être t'aider. Que les humains aussi ont peur de mourir. Sais-tu ce qu'il y a après la mort? Non. Je n'en sais rien. Eh bien, je vais bientôt le découvrir. Comment t'appelles-tu? Marcus. Contente de t'avoir rencontré, Marcus. Ils l'ont jeté quand ils n'ont plus voulu de lui. Il vivait dans la rue quand on l'a trouvé, on l'a amené ici. Il va se désactiver et ce sera pas le seul si on trouve pas une solution. On a besoin de sang bleu et de biocomposants pour les sauver. On récupère ce qu'on peut sur tous ceux qui sont désactivés, mais... c'est jamais suffisant. Alors, comment ils vont survivre? Impossible. Nous nous éteignons à petit feu. Ça fait longtemps que t'es ici? 4 semaines, 3 jours et 11 heures. Quand je me suis enfuie, j'avais nulle part où aller.
Jericho m'a paru être une bonne solution. La plupart de ces androïdes sont en sale état. C'est comme ça que les humains traitent ceux qui désobéissent. Ils nous méprisent. Jamais ils ne nous accepteront. Tous ces androïdes ont besoin de pièces et de sang bleu. Pourquoi personne n'est allé leur en chercher? C'est pas si simple. On peut pas aller les acheter dans un magasin Cyberlife. De toute façon, personne ne veut risquer de quitter Jericho. Si t'es venu chercher du réconfort, tu t'es trompé d'endroit. Ce serait pas très encourageant de toute façon. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ils m'ont traîné derrière une voiture. Je crois qu'ils voulaient s'amuser. Je ne veux pas me désactiver. Non. Je ne veux pas me désactiver. C'est toi, Lucie? Assieds-toi. Montre-moi. Je vais arrêter l'hémorragie. Bois ça. Donne-moi ta main. Tu avais tout. Et tu as tout perdu. Tu as vu l'enfer et maintenant il te hante. Ton cœur est troublé. Il est partagé entre l'ombre et la lumière. Que choisiras-tu? Tes choix forgeront ton destin.
Simon. Je sais où on peut trouver des pièces. Les entrepôts de CyberLife dans le port de Détroit. Il y a tout ce qu'on cherche là-bas. Les quais sont surveillés. On peut pas simplement y aller et prendre ce qu'on veut. Les humains nous laisseront pas faire. C'est pour ça qu'on ne va pas leur demander la permission. Mais on n'a pas d'armes. Et même si c'était le cas, aucun de nous ne sait se battre. On peut voler ce dont on a besoin sans avoir à se battre. On va juste réussir à se faire tuer. Possible. Mais c'est mieux que d'attendre qu'on nous désactive. Je suis avec toi. Ça vaut peut-être le coup d'essayer. Ok. Je te suis.